Felice Bauer, Prague, le 31 octobre 1912. Mademoiselle, voyez donc combien il y a d'impossibilités dans notre correspondance. Puis-je ôter à une prière comme celle que je vous ai adressée de ne m'écrire que 5 lignes l'apparence d'une générosité écœurante et mensongère? C'est impossible. Et ne vous ai-je pas fait une prière sincère? Assurément, j'entends qu'elle est sincère. Et ne pourrais-je pas aussi entendre qu'elle n'est pas sincère? Bien sûr, j'entends qu'elle n'est pas sincère. Et comment? Quand une lettre est enfin arrivée, après que la porte de mon bureau s'est 1000 fois ouverte pour laisser entrer non pas le commis avec la lettre, mais une multitude de gens qui affichent, en ce qui me concerne, c'est un tourment, une physionomie tranquille, et qui se sentent ici à la bonne place, alors que c'est uniquement le commis avec sa lettre et aucun autre qui a le droit d'y apparaître. Quand donc cette lettre est enfin arrivée, je crois pour un court instant que je vais pouvoir être tranquille désormais, que je vais m'en rassasier et que la journée va bien se passer. Mais une fois que je l'ai lu, il s'y trouve plus de choses que je ne pourrais jamais en demander. Vous avez pour cette lettre utilisé toute votre soirée, et il n'y a plus guère de temps pour une promenade à travers la Leipzigerstrasse. Je lis cette lettre une fois, la mets de côté et la relis encore, prends un dossier en main, mais ne lis réellement que votre lettre. Me tient devant le dactylographe à qui je dois dicter, et de nouveau votre lettre passe lentement dans ma main, et je l'ai à peine sortie que des gens me demandent quelque chose, et je sais très bien à ce moment que je ne devrais pas penser à votre lettre, mais c'est aussi la seule chose qui me passe par la tête. Mais après tout cela, je suis affamé comme avant, inquiet comme avant. Et déjà la porte commence à se mettre joyeusement en mouvement, comme si le commis devait déjà de nouveau arriver avec la lettre. C'est la petite joie que, selon votre expression, me procurent vos lettres. Ainsi vous répondrai-je aussi quand vous me demandez s'il ne m'est pas désagréable de recevoir chaque jour une lettre de vous. Bien sûr, c'est presque une chose impossible que de vouloir mettre en relation d'une quelconque façon la réception d'une lettre de vous et le travail de bureau. Mais il est tout aussi impossible de travailler et d'attendre en vain une lettre, ou de travailler et de se demander s'il est peut-être arrivé une lettre chez soi. Des impossibilités de toutes parts. Et pourtant, ce n'est pas si mal. Car dans ces derniers temps, pour ce qui est du travail de bureau, j'ai pu venir à bout d'autres impossibilités. On ne doit pas se jeter au-devant de petites impossibilités, sous peine de ne pas même apercevoir les grandes. Du reste, aujourd'hui, je ne peux absolument pas me plaindre, parce que vos 2 dernières lettres me sont parvenues séparément, avec un intervalle de seulement 2 heures, et bien sûr, j'ai autant maudit la poste pour son désordre d'hier que je la loue pour aujourd'hui. Mais je ne réponds absolument pas et questionne à peine, et tout cela parce que le plaisir de vous écrire, sans que j'en sois tout à fait conscient, situe d'emblée les lettres que je vous adresse dans une perspective infinie. Et ainsi, point n'est besoin, bien sûr, de dire quelque chose d'essentiel sur le premier feuillet. Mais attendez, demain j'aurai, je l'espère, j'espère pour moi, assez de temps pour répondre d'une seule traite à toutes vos questions, et tellement de questions à vous poser que mon cœur s'allégera au moins pour un moment. Aujourd'hui, je dirai seulement encore que je me suis mordu la langue au passage qui concernait votre chapeau. Il était donc noir en dessous? Où avais-je les yeux? Et pourtant, mon observation n'avait absolument rien de futile. Mais alors, il était sur le dessus complètement blanc, et cela a pu me troubler, parce que du fait de ma haute taille, je le voyais d'en haut. Et vous avez aussi un peu incliné votre tête quand vous l'avez mis. Bref. Il y a des excuses, comme toujours, mais ce que je ne savais pas de façon si précise, je n'aurais pas dû
l'écrire, je n'aurais pas dû l'écrire. Avec mes salutations les plus cordiales et un baise-main, si c'est permis. Vote Franz K.